Bonjour frère, bonjour sœur, bonjour amis, comment nous y est avec Jésus? Eh bien, le ça, frère Théodore Riel, sent-il content pour que l'y capable venir venir étudier le soir sabbat ensemble avec vous. Et nous sentons bien pour que nous capables à clôturer trimestre ça ensemble avec vous. Frère, déjà prêt, nous demandons même pour prendre disposition pour nous capables de prier pendant que nous voulons saluer Sœur Monique, nos amis par nous, Sœur Marie, Marie-Jean, Joséphine, Désinée. Donc nous saluons tous ces amis saillants et nous disons Kembela Palagé. Donc, on nous prie pour que nous capables d'entrer dans si belle leçon. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent, veille en ce jour nouveau, dirige tous nos pas, jamais pour tes enfants, tes bons. T'es ne tarisse et ton amour pour nous ne se fatigue pas. Accomplis envers nous tes divines promesses. Nourris-nous aujourd'hui de ton céleste pain. Sois notre défenseur dans toutes nos détresses. Couvre-nous à jamais de l'ombre de ta main. Adorable Père des cieux, Dieu trois fois, c'est Seigneur des Seigneurs. Merci infiniment pour ce bientôt bas nous parce que maintenant là, côté nous venons étudier le second sabbat. Déjà, nous avons demandé pour faire nos grâces pour bas nos intelligences, soit afin que nous sommes capables d'étudier, non seulement étudier, mais mettre en pratique. Merci pour tout ce qu'on fait pour nous, au nom de Jésus. Amen. Petite leçon, semaine ça, c'est au cœur d'Éphésiens. Donc, au cours de trimestre ça, nous avons étudié tout livre Éphésiens. Et semaine ça, censé, yo censé faire yon, mais et yon rappel, faire yon révision de tout ça que nous avons étudié pendant semaine an, et même ajouter quelques bagailles que nous-mêmes n'avons pas ajouté. Au cœur d'Éphésiens, verset à mémoriser, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse s'en faire le fier. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Donc c'est Éphésiens 2, verset 8 à 10. Hier, nous sommes bénis en Christ. Donc, on n'a pas besoin de peur, l'autre sous béni. Ce n'est pas les hommes qui bénissent, mais c'est bon Dieu, bénédiction sortie directement du ciel. Jeudi, c'est lundi, nous sommes rachetés pour la communion. Racheter veut dire nous t'es perdu, nous t'es loin, non la boue, non zone difficile, et nous racheter, et dit bon Dieu, venez les retirer nous avec, mais pas lui. Pour lui, capable faire nous fonctionner avec lui. Tandis que nous-mêmes, nous t'applions le livre d'Éphésiens chapitre 2, nous allons essayer ouais, comment nous sommes capables de répondre avec question ça. Qui ça Dieu, qui ça bon Dieu fait pour que lui capable sauver nous à travers de Jésus-Christ. Qui ça bon Dieu fait pour nous à travers Jésus-Christ. Mais Dieu, deux mots ça y a même certainement mots qui plus chargés d'espoir que l'humanité lui-même n'y va jamais connaître. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10, Paul lui-même lui décrit
passer non comme un bagage qui sombre, un bagage qui triste. Côté que nous sommes capables de partager des situations désespérées dans la vie, dans le monde là. Et l'y pencher et qui penchait vers une rébellion contre bon Dieu. Et vie ça lui-même était dominée par le péché, par Satan. Mais Dieu lui-même, comme il est riche en compassion, qui sait bon Dieu faire pour nous, pour lui capable de délivrer nous. Avant que nous disions, mais ça bon Dieu fait pour nous, on nous relit Éphésiens 2, verset 1 à 10. Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos péchés. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il a aimé, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, envers Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes en son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que nous a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, toi, et premièrement, li ban nou, li ran nou vivant avec Jésus-Christ. Les Jésus mourir, il est ressuscité, donc nous-mêmes, li ran nou vivant par et l'amour ça. Li élevé nous avec Jésus-Christ. Jésus mourir, li monté dans le ciel. Donc, ascension, c'est que l'élever nous avec Jésus. Au ciel, il achita beaucoup de papal. Il couronne nous ensemble avec Christ. Mettez-nous beaucoup de papal. Nous payons simple passant et de événements ça ou de vie de Jésus-Christ qui était bouleversé dans le monde ça. Bon Dieu lui-même était accompli à remarquable ça, non pas parce que quelqu'un qui a un monde qui mérite ou qui capable, mais bon Dieu fait nous grâce. Il voulait que tout le monde qui a vivio vive en solidarité avec Jésus-Christ pendant que n'a pratiqué les bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 10, nous t'es perdu dans le péché, Jésus vini, il racheté nous, il retire nous de la boue ça. Maintenant, Éphésiens 2, verset 11 à 22, il enseigne nous que nous-mêmes nous vivons en solidarité avec et l'autre membre de la famille. Nous pas oublier que l'amour de Jésus lui-même lui permet que et nous gagnons relation horizontale, nous consolider avec un monde qui n'est pas païen. Parce que pas oublier que juifs pas de gagner pour être capable de chiter avec non-juifs. Eh bien, Jésus mourit. Si il vient nous permettre nous gagner une relation horizontale nous-mêmes avec l'autre monde. Et il vient permettre que nous gagnions une relation verticale nous-mêmes avec Jésus-Christ. Donc, l'amour Christ lui-même lui permet que toute relation ça y est vienne établie. Jésus lui-même lui bâtit également quelque chose, un nouveau temple extraordinaire qui composait de croyants seulement, non pas de juifs autrefois, parce que pas oublier c'est juste seulement que qu'on a adoré, que qu'on a loué, que qu'on a fait tout bas dans le temple, mais l'église à Jésus vient créer à lui-même, lui vient composer de chrétiens, de tout le monde qui vient rejoindre en Jésus-Christ.
Par la grâce que bon Dieu lui-même lui fait, nous avons un privilège pour nous capables de vivre chaque jour solide avec Jésus et avec frère nous, les croyants. Pas oublier Ephésiens 2, verset 10. Il joue un rôle important dans la conversion, nous, avec conversion pilote. Mon Martin Luther lui-même, lui trouvait dans verset ça, une grâce gagnant qui est de cœur. Il découvrit également plusieurs vérités que lui-même n'est pas centré dans la réforme. Li salut qui sortit directement par la foi au moyen de la grâce, par Christ seul. C'est Jésus qui bail salut, ou croyant en Jésus, ou à marcher avec Jésus, Jésus apprend à nous sauver. Matin, tu viens de découvrir que c'est la bonne œuvre vous fait qui pourra le permettre de sauver. Du tout pas. Mais c'est gens que vous-même ou à vivre avec la foi, croyant en bon Dieu et ou à avancer. En 1738, 18 jours après que Jésus lui-même après que expérience et une conversation de Aldersgate Street à Londres, John Wesley lui-même lui prêchait dans l'université Oxford avec un cri de cœur et il était bâillé la manifestation du nouveau mouvement. Donc, chers frères et sœurs, nous rachetés, nous t'es perdus. Jésus vient sauver nous. Jésus vient bah nous la vie. Et il vient permettre nous une relation ensemble avec elle, relation ensemble avec l'autre monde. Et il crée un temple qui permet que tout le monde, que tu sois et jaune ou brun, noir ou blanc, n'importe ce capable ou dans le temple pour qu'on capable adorer bon Dieu. Donc, pas de différence, pas de discrimination, mais nous tous nous séons dans Jésus-Christ. Notre Père des cieux, merci infiniment pour possibilité de nous parce que ça permet de nous étudier le son. S'il vous plaît, aidez-nous pour ne pas humilier frère, nous humilier sœur, nous, mais permettre que pour nous marcher comme un accord, Jean qui vous mande. Fais-nous grâce, nous croyons en nous, nous comptons sur, épargnez-nous de tout ça qui mal, au nom de Jésus. Amen. Merci à vous-même qui avez étudié avec nous. Que nuit là capable bon pour vous. Que de matin ou capable que journée capable bon pour vous. Que vous allez travailler. Que vous et fait tout ce capable faire et que vous pas humilier frère là que bon Dieu capable bénir.